Je suis chez moi ici. On est bien ici. Mais j'espère qu'il n'y a pas que moi quand même. Non. Ah bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, je m'appelle Francis Gillot. Je m'appelle Henri CV. J'ai 32 ans. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Maurice Bellet. Ben, je me présente Lamine Sané. Et je suis resté au Girondins pendant 12 ans, j'ai fait toute ma formation ici. Je suis arrivé au Girondins en 2008, de 2008 à 2016 exactement. Je suis passé au Girondins de 2011 à 2017 et mon poste c'était milieu gauche. J'étais entraîneur ici à Bordeaux de 2011 à 2014. Évidemment, fini. Le bonheur pour Francis Gillot qui ramène la Coupe de France en Gironde. Le grand bonheur des Bordelais qui seront européens déjà la saison prochaine et qui ramènent une coupe, un trophée. Ils sont allés la chercher au forceps, les Bordelais. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Alors c'était vraiment une fierté parce que la dernière fois que j'avais joué dans ce stade-là, j'avais perdu en Coupe Gambardella avec les Girondins. C'était, pour moi, il était hors de question de revenir avec la défaite et je voulais à tout prix gagner un titre avec les Girondins, mon club formateur. On va dire qu'on était plus ou moins bien classé en championnat. On n'avait pas fait une grande campagne en Europe. Je trouvais qu'on est arrivé avec une saison éreintante en fait, où c'était compliqué au niveau physique et mental. À l'époque, on avait fait la Coupe d'Europe, on était allé en huitième de finale, on était tombé contre Benfica ici. En plus, on était à 50 à 60 matchs dans la saison. Donc voilà, on était un peu émoussé, mais on a eu toujours cette réaction pour revenir au score et gagner le match. Et c'était une Coupe de France tellement spéciale, parce qu'il y a eu un parcours vraiment spécial. On arrive dans le stade et là, surpris, on voit que le stade était presque plein du côté de Evian Tournogaillard et de Bordeaux. Et c'est là où je pense que ça nous a encore plus motivés parce qu'on pensait qu'il allait avoir personne. Et à ce moment-là, j'ai senti dans le regard de mes coéquipiers que l'ambiance commençait à monter, que voilà, ils étaient encore plus heureux de savoir le soutien de leurs supporters. Donc quand on rentre, c'est vrai que le Stade de France, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant de voir une partie du stade complètement Bordeaux et de l'autre côté Evian, c'est un truc magnifique. C'est pour ça qu'on joue au foot aussi, pour vivre des événements comme ça. Et je suis content d'avoir pu vivre un moment comme ça pendant ma carrière. Gaillard, le coup d'envoi de cette rencontre, oui Marius? Mais on l'a dit, c'est la septième finale de Bordeaux, la sixième finale de Bordeaux au Stade de France. Donc non, la septième, donc Bordeaux connaît très bien le Stade de France. Si j'ai un bon souvenir, c'est Evian qui élimine Paris. Donc ouais, on savait que Evian avait fait une belle campagne aussi en Coupe de France, c'était une équipe assez dangereuse. En plus, une finale, voilà, on sait très bien qu'on est surmotivé. On sait qu'on a une étiquette de favori. C'est juste une question de à quel moment on va faire mal à l'adversaire. Et un garçon comme Sorlet disait, je suis pas sûr d'en rejouer une autre finale. Oh le but peut-être. Non, la parade de Laké. La tête de qui? Lamine Sané, Cheikh Diabaté. Ou Lamine, non, c'est Cheikh Diabaté, la tête de Cheikh Diabaté. 4 buts en Coupe de France pour l'instant pour l'international Mali. Oh, c'était magnifique. Ah ouais. Les finales, c'est toujours particulier. Il y a toujours cette sensation de... Chaque fois qu'il y a une attaque, on dirait que c'est comme si c'était le but vainqueur. Quoi. Donc, t'as vraiment cette impression, celui qui marque a gagné, alors que nous, non, il y a eu un score assez conséquent, il y a eu 3-2. Donc. Et je pense qu'on a fait une bonne entame de match. On mérite de marquer peut-être 2 buts même en première mi-temps, mais ça ne s'est pas fait. Après, on avait aussi avec Cheikh un serial buteur où chaque fois que le ballon rentrait dans la surface, on savait très bien que l'adversaire avait très très peur et que nous, on avait une grande confiance. Et c'était un match très serré, surtout en première mi-temps, où il lâchait vraiment rien, ça se jouait vraiment sur des petits détails. Je crois que c'est Mariano qui lui donne la balle en profondeur. Certique. On voit beaucoup aussi hein, Grégory ce soir. Bon jeu. Mariano pour Cheikh Diabaté, il n'y a pas de hors-jeu, le but de Cheikh Diabaté, allez Cheikh. Allez, oui. Et ben voilà, je l'avais dit, il fallait le but maintenant. La quatrième a été la bonne. La
On a l'impression qu'il tergiverse un petit peu, mais en tout cas, il maîtrise ce qu'il fait et il ouvre le score tel le Tchèque qu'on connaît, quoi. Déjà, je ne vais pas dire que c'est une délivrance, parce que dire c'est une délivrance, c'était pas la fin du match, mais c'était quand même un petit soulagement dans le sens où voilà, on s'est donné les moyens de pouvoir marquer. Non. Franchement, on n'est jamais dans une forme d'explosion. On explose, c'est à la fin, quand l'arbitre siffle, ou dans la tête, à ce moment-là, je sais que tout peut arriver. Donc évidemment, on est content, mais on sait que c'est pas fini. Allez, mi-temps au Stade de France pour l'instant. Et depuis la 38e minute, ce sont les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0. En espérant que ce soit pas trop grave, puisque Cheikh Diabaté est vraiment au sol, couché avec Marc Vernet, le kiné. Dans quelques minutes, on en saura plus. Ça, tout de suite. En fait, à la mi-temps, je me souviens plus trop. Mais moi, j'insistais toujours sur les détails tactiques. Je sais plus ce que j'ai dit exactement à cette mi-temps. Mais c'est vrai que ça validait un petit peu notre première mi-temps qui, je pense, ont mérité quand même de prendre l'avantage. On se dit qu'il faut quand même essayer de garder ce score, même si on sait que ce n'est pas évident parce que l'équipe adverse va essayer de pousser. Non, on voulait rapidement doubler la mise pour qu'il n'y ait plus de suspense. Et donc forcément, parce que dans ce genre de match, c'est enlever de l'espoir à l'adversaire qui compte pour qu'on gère plus la fin de match plus facilement. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Les hommes de Francis Gillot sont dans le couloir, vous le voyez. Lamine Sané, Henri Cévé avec Serge Dubot, le médecin des Girondins de Bordeaux. À 45 minutes, pourquoi pas, d'une quatrième Coupe de France. Marius, Philippe pour nous accompagner une fois encore tout au long de cette retransmission. La deuxième mi-temps. Allez, 45 minutes au Marinet Blanc pour inscrire une ligne supplémentaire au palmarès du club après les U19 de Philippe Lucas qui ont remporté la Coupe de Gambardella quelques heures. Et puis après, je vous dis, c'est quand on a raté le pénalty que j'ai eu un petit doute parce que on est un petit peu superstitieux dans ces cas-là et on se dit peut-être ça va pas marcher. À hauteur du point de pénalty, petite remise derrière, extérieur du pied, le centre immédiat. Oh la tête, il y a une pénalty sur Cheikh Diabaté. Pénalty sur Cheikh Diabaté, il a été retenu par le maillot. Allez, Cheikh Diabaté, c'est parti. Et la frappe, oh non, c'est arrêté par la quai. C'est arrêté, Marius, par la quai. Ça arrive. C'était le lot de notre Coupe de France parce que je crois les tours d'avant, pareil, à chaque fois on a loupé un pénalty quand on devait passer devant. Et ça nous a pas perturbé parce qu'on était déjà passé par là, je pense que c'est une chance. Mais pour eux, ça les relance, honnêtement, ça les relance. Voilà, en point d'inverse, ça les relance. Ils se disent voilà qu'il y a toujours un but d'avance et que tout est faisable. C'est par la défense centrale, mais Olivier Tavou avec Berigo qui a fait l'appel. Il est fort, en profondeur pour Vasse. Oh, il y a la main de Vasse. Et but. Il y a main de Vasse. Et but. Je suis pas sûr qu'il y ait main, mais je te l'ai dit, façon, et but. Prévisible. Voilà. Au lieu de tuer le match, voilà. Bon, l'égalisation. Ils sont de côté droit en plus, c'est ça. Ils partent côté gauche chez eux. Centre en retrait, je pense que c'est l'autre qui ferme au deuxième poteau, c'est ça? Et voilà, et ça les relance, ça les surmotive, et on sait que quand une équipe est surmotivée, c'est très difficile à arrêter. Ils jouaient bien leur coup, en plus il y avait Sagbo devant, un attaquant qui était très remuant à ce moment-là. Après, on avait quand même une équipe très offensive, parce que bon, je demandais à mes latéraux de beaucoup monter. On avait Yaro et puis Greg Sertic en milieu de terrain, qui sont plutôt des joueurs offensifs. Donc automatiquement, on allait se faire contrer à un moment ou un autre. Moi, à ce moment-là, je ne doute vraiment pas parce que je sais qu'avec la qualité qu'on a, à tout moment, on va faire la différence, donc je ne doute pas. Là, c'est Mariano qui ne regarde pas ce qui se passe dans son dos. Allez, but. Oh, le but. Et le but. Oh, le but, Henri Cévé, Marius. Henri Cévé, voilà. Je dis, c'est maintenant. Voilà. Le meilleur des moyens de se remettre dans le sens de la victoire. Les boulons, hein. Là, je pense que c'est bon maintenant. Il faut resserrer les boulons, là. Bien sûr, c'est une joie déjà pour moi par rapport à lui parce qu'on a on a beaucoup d'affinités et aussi pour l'équipe parce qu'on repasse devant et là on sent l'atmosphère du stade qui explose et même l'équipe on voit que ça leur redonne un élan. Et il y avait toute ma famille donc c'était un moment particulier, très très content de pouvoir marquer en finale. J'arrive même pas à le décrire parce que c'est sur le moment, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. On est soulagé de marquer et de permettre à son équipe d'être devant. Ouais, et là, on est dans la surface de réparation avec Yannick Sagbo, Lamine Sané. Il est obligé de remettre derrière à Barbosa peut-être. Barbosa encore, oui, il a réussi. Il va trouver un partenaire. Oh, non, le but. L'égalisation. Et but, oui, l'égalisation. Djadjadjé.
L'égalisation de Tchadjedjé, quelle passivité. Deux occasions, deux buts. Défensivement, on est trop passif. C'est compliqué parce que voilà, on se dit que bah, il lâchera rien jusqu'à la fin. Et que peut-être que voilà, ça, le dénouement va se faire en prolongation, mais la prolongation c'est long, c'est mental, c'est aussi physique. Et on n'a pas envie de passer à la trappe parce que là ça veut dire que notre saison va être catastrophique. Ouais, c'était bien pour le téléspectateur parce qu'on avait prédit une finale un peu pourrie, entre guillemets. Donc il y a eu des buts, il y a eu de l'émotion, donc il fallait tout. Pour cette finale, on a tout eu, donc les gens étaient super heureux. Moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un scénario où le match va être retourné contre nous? Parce que souvent, quand on a plein de situations comme ça, à la fin, on a beaucoup de regrets. Et on s'est dit qu'il restait quelques temps pour pouvoir pousser et voir gagner ce match. Parce que je pense que sur la physionomie du match, on a quand même eu un peu plus de maîtrise. On fait tourner. Un peu comme une équipe de handball, il va falloir percer à un moment donné. Henri Cévé, pourquoi pas, face à Basse. Henri Cévé toujours. Henri Cévé. Il s'est passé le centre d'Henri Cévé. La corner. Reprise d'André Biogopoco. Corner. Et le corner. Allez, qu'on marque. Bien voilà, on le voit André depuis 5, 6, 7 minutes. Ben, je crois qu'il y a corner pour nous. Et il y a une tête d'un. Je sais plus si c'est Henri qui fait la tête. Et tout le monde réclame une main. Oh la merde! Il n'y a rien, non. Le ballon il va sur le côté et il y a Yannick Sagbo qui met un espèce de pointu de désespoir, on va dire, pour dégager le plus loin possible. J'intercepte le ballon, je le récupère, je la glisse à Maurice Bellet. Maurice Bellet sur une touche la met par-dessus pour Cheikh Diabaté. Et en fait, moi, la première idée que j'ai, c'est souvent en fait le bloc adverse, surtout dans l'axe où il y avait le corner. Ils ont tendance à faire monter tout le bloc et donc tout le monde a voulu monter, mais moi je savais qu'à un moment Yannick il allait couvrir parce qu'il n'aurait pas eu le temps de monter en fait. Et les défenseurs n'auraient pas eu le temps de regarder qu'il était vraiment derrière eux. Oui, c'est des bien placés. Au début je pense qu'il est hors jeu parce que il est. Voilà, on se dit il est seul, c'est pas possible parce que. Eux les défenseurs centraux vont jouer à leur jeu. Ils vont se faire avoir. Le seul truc que j'espérais, c'est que Cheikh joue le coup jusqu'à fond. Voilà, on se dit voilà, on a fait là vraiment, on a fait le plus dur maintenant. On s'est dit là, c'est fini, il ne marque plus. À ce moment-là, même moi derrière, en tant que défenseur central, quoi qu'il arrive, il faut se sacrifier. S'il faut prendre un rouge, il faut prendre un rouge, s'il faut mettre des tacles à la gorge. Là, on mène, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut tenir le score et c'est historique. 4 secondes, 3, 2. Normalement, c'est fini. C'est fini. Allez, la 4e Coupe de France est terminée. Bordeaux, vainqueur de la Coupe de France 2013, 26 ans d'attente. Elle revient. Ça y est, il y a eu 41, 86, 87, il y aura 2013. La 4e Coupe de France, la 96e Coupe de France est remportée par les Girondins de Bordeaux. Et surtout, Bordeaux est encore européen la saison prochaine. Dans la vie de joueur, gagner des trophées, c'est ce qu'il y a de plus marquant. Et c'est vrai que ça a été très important pour les Bordelais de ramener cette Coupe de France. Ça faisait énormément de temps qu'elle n'était pas revenue à Bordeaux. Et ça reste, comme on dit, le plus beau trophée national. Il a quelque chose vraiment de particulier. Sincèrement, moi, j'étais content pour les autres. Mais j'étais content que les joueurs aient ce titre. J'étais content pour les dirigeants, pour le staff. Moi, j'étais un petit peu dans ma bulle, mais même si je riais pas, j'étais très content intérieurement. Ça, c'est un truc de fou ce qu'on vit. C'est magnifique, j'en ai larmes aux yeux carrément. Voilà, on a vraiment galéré toute la saison. Et voilà, Bordeaux, on les attendait pas. Aujourd'hui, on est en Europe, on finit 7e.
On gagne la Coupe de France. Quelle saison ? Quelle saison ? Avant le match de, après le match de la Gambarde, on avait un peu la pression parce que si on perd, on se disait que vous allez faire la fête tout seul. Bah, on a répondu présent. On est très content, on est très content. Est-ce que je t'ai dit que t'allais marquer ? Ouais, il me l'a dit. C'est la passe ? Il me l'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit avant le match, tu vas marquer, tu verras. Je lui ai dit non, on verra bien. Même mon cousin m'avait dit, tu vas marquer. Et aujourd'hui, j'ai marqué. On est champions ! Champions ! Bien joué les gars ! Que dire de plus pour le club où on gagne la Gambardella et après la Coupe de France ? C'est un moment à part parce que ben, c'est très rare de, que les jeunes gagnent en même temps que les, l'équipe professionnelle. C'était la victoire d'un club, d'une ville, pas que de cette équipe professionnelle. C'était magique, on ne savait pas quoi faire, honnêtement, on ne savait pas quoi faire. En plus, on rentrait parce qu'on voulait, je me rappelle, on voulait rester sur Paris et que et malheureusement, on ne pouvait pas en y rentrer, mais voilà, on était fous de joie. Putain, 5 heures. Bravo, hein. Bravo d'être là. Ouais, c'est dur de dormir après ces moments-là, donc c'est vrai qu'on a bien profité tous ensemble au retour à Bordeaux avec toute la ville, quoi. Bonjour, merci. Merci, merci. Merci. Ouais, elle s'ouvre pas. On se verra demain, hein. On est fatigué, à demain. Bah personnellement, moi, c'est mon premier titre. Donc forcément, c'est particulier, surtout que j'étais dans un groupe qui avait une partie gagné le titre en 2009 et qui avait gagné la Coupe de la Ligue, je crois. Et bah, certains, de gagner la Coupe de France, bah, ils avaient tout remporté sur le championnat hexagonal. Et bah, pour moi, c'était un sentiment particulier parce que voilà, la Coupe de France, c'est un truc que j'ai regardé depuis tout petit en étant fan de foot. Et de pouvoir monter les marches, soulever le trophée. En plus, il y avait ma nièce qui était dans les bras de Kev Olympa, il y avait mon fils. Donc c'était un moment particulier. Bah, très content, surtout que je dirais pas que c'est mon premier titre, mais c'est le premier sur lequel j'ai participé longuement, on va dire. J'ai joué quasiment tous les matchs de Coupe de France. Ça a une saveur particulière parce que là, on se dit qu'on a vraiment participé à quelque chose de grand. Ramener un titre au Girona, c'est exceptionnel pour nous. En plus, ça nous qualifie directement pour l'Europa League. Donc, très content. Et à ce moment-là, voilà, il n'y a qu'une chose qui nous traverse, c'est d'arriver vite à Bordeaux et le célébrer avec tout le monde. Et là, c'était mon premier trophée avec les Girondins. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai la fatigue oubliée. On pensait qu'au fait d'avoir gagné cette finale, d'avoir tout donné, et c'était quelque chose de magique. Et j'avais à cœur de gagner un titre avec le club de ma ville et surtout avec pour le président que j'aimais beaucoup, Jean-Louis Triaud. On avait à cœur de se battre pour lui. On apprécie vraiment une finale gagnée après coup parce qu'avant on est toujours dans le stress, dans la préparation. Il n'y a rien de particulier à part qu'on parle tactique par rapport à l'équipe adverse, par rapport à nous. Mais vraiment, après le match, on est quelqu'un d'autre. Dans les 3 jours qui suivent, on est quelqu'un d'autre. On est content, on a du mal à dormir, non pas parce qu'on a perdu, mais parce qu'on a gagné, en fait. Donc il y a une excitation vraiment très spéciale pour ce genre d'événement. Moi, quand on gagne une Coupe de France, c'est... On marque l'histoire de son club au-delà d'une saison. Or oui, en gagnant la Coupe de France, il y a la qualification derrière pour la Coupe d'Europe, tout ça. Donc il y a plein de choses qui se passent pour l'année suivante. Mais ça reste le plus beau moment pour marquer une ligne au palmarès pour moi du club. Au-delà du palmarès personnel,
c'est de pouvoir encore écrire une ligne au club. Et ça, c'est ce qui est d'important, c'est de pouvoir participer à une petite, toute petite partie de l'histoire des Girondins. Pour nous, ça a été génial.